Et Palmino, on regarde un Ouais. film. Oui, pourquoi pas. On le regarde ensemble avec Oui. les grands. Les enfants, les grands, on regarde un film. Lucia et Palmino profitent des vacances pour regarder un film en compagnie de leurs enfants présents à la maison. Choisir un film qui convienne à tous peut parfois s'avérer être un véritable défi. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde Coach Carter. Non, non, ça va pas pour les petits. Notre. Un film pour les petits. Aladdin? Aladdin, sinon? On l'a déjà vu par contre, pas. Alors, épique? Après quelques minutes de discussion, ils optent finalement pour un dessin animé. C'est un film que les plus grands ils ont regardé quand ils étaient plus petits. Et les petits ils découvrent. Ça fait comme on a un grand décalage d'âge entre nos grands enfants et nos petits. Et c'est bien de regarder quelque chose. Ça crée un peu d'unité. Et c'est un moment où tous on est rassemblés dans les canapés. C'est beau. C'est l'une dans les bras de l'autre. C'est un bon moment de famille pour nous. Un bon moment familial qu'ils organisent au moins une fois par semaine. À la fin du visionnage, ils en profitent pour échanger sur ce qu'ils ont regardé. Bien aimé quand il a trouvé la graine qui faisait n'importe quoi. À cause de la diversité des âges et des attentes, gérer les demandes des enfants passe avant tout par la recherche d'un équilibre. Quand c'est un film à regarder tous ensemble, surtout quand il y a les petits, c'est un film qu'on a déjà vu. Voilà, et on sait qu'il est adapté. On va presque jamais voir des choses avec les petits parce qu'ils sont trop impressionnants. Ici, chez nous, la télévision, elle n'est pas à libre accès. Même les grands, s'ils veulent regarder quelque chose, ils nous demandent. Donc, on voit si c'est le bon moment. Plus souvent, on peut regarder, choisir de regarder même les grands des séries ou des films. Donc plutôt les soirs quand les enfants sont couchés. Et là aussi, c'est rare qu'ils soient dans la télévision. Plutôt, on a choisi d'investir de l'argent pour des chaînes payantes, de façon qu'on puisse choisir les films sans publicité et qu'on puisse même contrôler qu'est-ce qu'ils regardent pour pouvoir en parler après. Bien qu'il puisse y avoir de la violence ou des scènes sensibles dans ce qu'ils regardent, les frères aînés voient cela comme une opportunité pour prendre soin des plus jeunes. Soit on cache avec les mains, soit on dit vous pouvez le cacher, mais souvent les petits sont quand même curieux de voir ce qui se passe, donc ils vont sûrement ouvrir les mains. Donc souvent c'est soit nous, soit on met pause et on avance un peu la partie qui fait un peu plus peur pour les petits, quoi. Et après on va pas se mentir, quand on regarde la télé, on regarde les nouvelles, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Donc les choses les plus importantes, vu que nous on a tous les réseaux, les grands et même du coup les parents, on en parle parfois à table et du coup c'est pour ça qu'on est quand même connecté dans le monde, on est renseigné avec ce qui se passe, mais sans regarder une demi-heure de mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, ça va juste nous abattre. Pour cette famille, ce temps vécu tous ensemble inclut non seulement la télévision, mais aussi les activités en plein air. Même quand on regarde par exemple deux ou trois films d'affilée, après on est quoi? On est fatigué, on a mal au crâne, tout ça. Alors qu'on pourrait jouer 4 heures d'affilée, faire un gros foot tous en famille. Pour moi, c'est hyper important. Parce que vu qu'on est beaucoup de frères et sœurs, si on regarde tous un film, ça veut dire qu'on reste dans la maison. Et si on reste tous toute la journée dans la maison, on va se friter au bout d'un moment. Alors que si on sort, on s'amuse, on se dépense, on sera plus tranquille après. Grâce à cet équilibre, parents et enfants n'oublient pas qu'en dehors des écrans, le monde réel est aussi à portée de main. On voit bien que les âges ont des demandes différentes. Bon. Donc les enfants ont avant tout besoin de quelque chose qui les protège. Protège d'eux-mêmes, protège du monde, protège de tout ce qui en eux est d'une nature, disons, plutôt pulsionnelle. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien qu'après... Avec l'âge, le besoin d'éducation, il est plus du côté de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui nous permet de nous relier au monde et aux autres par le biais de la fiction. Voilà. Le besoin fictionnel, il est essentiel. Nous sommes des êtres de fiction. Nous avons besoin de la fiction pour exister. Voilà. Donc, deuxième moment, c'est le moment de la fiction et de l'imaginaire. Et puis, troisième moment, quand on est plus âgé, c'est le besoin de récit, de se mettre en récit, de voir des histoires, des films,
des récits qui sont de nature à nous élever au-dessus de nous-mêmes. Voilà, à mon avis, les différents éléments qui laissent à penser que la télévision peut apporter quelque chose, pour autant qu'effectivement on puisse la choisir, et pour autant qu'en fonction des âges, elle corresponde à ce qui est nécessaire dans la nourriture spirituelle des uns et des autres.